Les gars, sans être hypocrite, j'ai comme l'impression que les footballeurs même ne sont pas avec tout. Voilà, les Lions ont un tap sur la gare. Les gars ne sont pas avec tout. Ouais, ils ne sont pas avec lui. Parce que si c'était avec lui là, non, c'est que depuis hier, à l'hôtel Hinton, ils allaient choisir leur camp. Et ils ont choisi leur camp, tout le monde a vu. Voilà. Ils sont en train de suivre les instructions du ministre des Sports. Les voilà qui se baladent dans les rues sans maillot, sans équipement de la FECAFOOT. Et les gars sont relax. Comment comprendre ça? Voici Andro Nana. Regarde Andro Nana. Calme, tranquille, avec un coudou. Les gars ne se plaignent pas. Pas de visage froissé, rien. C'est nous les Églésiens, nous sommes là partout avec les pleurs de Mbolé partout. On pleure seulement. On ne sait même pas ce que notre prêtre va faire, notre pasteur va faire à l'heure-ci là. Les gars, là, c'est gâté, hein, je vous jure. Le ministre des Sports, là, il ne gère personne. Hein. Il est entré dans la FECAFOOT, on dirait un camion qui a perdu tous ses freins. Hein. Il ne vous manque pas. On dirait, je ne sais pas. Les gars, c'est pas mieux. On va leur donner les équipements, ils vont s'entraîner, puis on va les regarder jouer. Ou bien on conseille même à notre boss que, gars, bête à non, il laisse l'affaire là, il démissionne. Oui, parce que là, voici un grand Dieu. Même grand Dieu est là. Grand Dieu qu'on avait chassé. Et on sait qui l'avait chassé. Les gars, c'est comme si les gars, si eux-mêmes, ils se sont plaints du président de la FECAFOOT. Selon le Congo, ça, les gars, moi, je viens vous donner le Congo, ça. Selon le Congo, ça, non. Les gens disent que. Apparemment, le président de la FECAFOOT étouffait les joueurs avec sa star manière. Comme il est beaucoup, beaucoup star là aussi, là, comme nous on sait qu'il est beaucoup, beaucoup star là. Apparemment, ça fatiguait les joueurs. Les joueurs étaient on dit quoi? Crispés. Que les joueurs n'arrivaient pas à être relax, tout ça là. Regardez maintenant, Andro Nana, comment il est souriant, il cause tranquille, sans problème. Maintenant là, tout le monde est relax. Alors qu'on dit que quand le président de la FECAFOOT est souvent là, même la manière d'amortir le ballon, il parle. Il est même mal à l'aise, que les joueurs étaient souvent mal à l'aise. Donc maintenant, les joueurs sont en train de se plaindre pour dire que nous, à l'aise, ils sont à l'aise. Même Baleba a refusé de venir au temps de Rigobertson. Comment comprendre que Baleba est venu maintenant, là, avec tous les boulanganzanga qui ont se passer, c'est là, Baleba est arrivé. Voici Omambi qui boite. Il est là, dans le staff. Ça, c'est le staff du ministre des Sports. Mais comment on ne va pas donc laisser, hein? C'est notre pays quand même. Est-ce qu'on va continuer l'humiliation comme ça? Les gars sont encore nous souillés, des deux côtés, sans vous mentir, et chacun lutte pour ses intérêts. Ici, là, ça c'est une histoire d'argent. Entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, gars, ça c'est une histoire d'argent. Même si on dit quoi, les gens là n'aiment pas le pays. C'est chacun qui discute ses poches. Moi, je ne suis pas hypocrite, gars. Chacun veut chop. Laissez que on suit les têtes. Non, le ministère des Sports veut damer. Les gars, ça a cuit, hein. Il ne vous manque pas.